Donc nous, tu vas faire quoi comme intro? Je sais pas, je vais expliquer ce qu'on va faire, machin, et voilà quoi. Vas-y, bah. Salut! C'est bon, j'arrête. C'est juste que c'est trop tentant parce que vous êtes au-dessus du vide en fait. Et pourquoi tu essaies de me pousser, toi, espèce de sale trèfle? Ta gueule, petit. Ta gueule. Putain, mais t'as marre comment il court partout là, putain. Donc, Inou, tu nous expliques pourquoi tu nous as ramené ici là? Ok, c'est bien, on est sur un toit, il y a une magnifique vue, mais pourquoi est-ce qu'on est ici? Eh bien, écoute, mon cher Frédéric, nous ne sommes pas là pour rien. Aujourd'hui, nous sommes là pour tenter une aventure dans l'espace. Et oui, nous allons partir conquérir l'espace. Nous allons aller sur des planètes qui n'attendent qu'à être visitées. Et pour ça, eh bien, on va tenter plusieurs techniques. Donc voilà. D'accord, bah, magnifique réponse. Il y a un taureau qui veut me pousser là, je suis à 2 cm. Oui, là, arrête, Booster. Arrête. Wassim, fais pas ça, assure. Non, Wassim, non. Bien, non, Wassim, les gars. Faites pas ça, les gars. Assurez, faites pas Laissez-le, ça. C'est un gentil touriste. Laissez-le. Putain. Ah, vous êtes vraiment des pourritures. Hein. 2016, l'Odyssée des fils de pute. Non mais Ganguinou, ok, ton histoire était belle, mais est-ce que t'as des moyens de transport pour y accéder? On va tout tester. Wow. Tu veux qu'on aille dans l'espace en catapulte? Oui, absolument, oui. Eh oui, on va partir dans l'espace, les gars, je vous le garantis. Et toi, t'es vraiment un joueur Call of, hein, putain, mais... Ouais, Unreload, cover me. J'ai fait mouche. Je propose qu'on envoie d'abord les boules pour savoir c'est quoi le mécanisme de la chose, parce que c'est dangereux pour Boosters quand même. Ça m'a l'air pas mal, voilà, ça m'a l'air sûr. Allez Booster, mets ton cul là-dedans. Nous allons envoyer Boosters, le premier taureau spatial. Boosters, comment est-ce que tu appréhendes le vol? Je vais être vert de peur. Ok, c'est une bonne réponse. Allez, attention. 3, 2, 1... Lâchez les taureaux. J'appuie. Je suis mort. Le charal n'a pas volé bien haut. Je propose d'aller dedans, je suis le plus léger. Attends, je vais tester un truc, si ça marche, je vous laisse taper une barre. Ta gueule. Oh. Ça marche pas. Est-ce que t'as pas quelque chose de plus pratique et de meilleur en fait? Ouais, t'as raison, on va oublier la catapulte. Attends, je vais juste faire un petit tour de catapulte, après on va essayer autre chose. Attends. Je peux venir avec toi, sûr. Ouais, vas-y, viens. Ouais, moi aussi. Tout le monde. Vas-y, tout le monde dans la catapulte au pire. Allez les gars, on va le faire, on va aller sur cette lune. J'appuie sur le bouton, on booste. T'es pas assez grand pour appuyer, petit nain. Grave. Si, je me vois assez grand, je vous emmerde. Allez, je veux partir sur la lune. Ma bite. Ma bonne bite. Oh, pas mal. Ouais, pas mal du tout, ouais. Attends, moi je suis tout petit, ça devrait peut-être passer. Attends, je suis tout petit, ça devrait marcher à chaque fois. Mec, il y a la fin dans le monde. Ah bah je suis petit, ça va peut-être régler l'affaire. Non, c'est pas. Toi, ton tatouage tribal, tu vas te le mettre dans le cul. Et toi, ton piercing que t'as au nez, tu vas le... Ouch. Oh, il a des jolis petits pieds en dessous. Ah oui, c'est vrai que j'ai des semelles orthopédiques en fait. Il a des coussinets. On va essayer avec le canon, mais un meilleur canon. Wow. Un bien meilleur. Ok, Nico, vas-y, rentre dedans, on va essayer. Je sais pas si je passe, hein. Je suis tout petit, mais... Bon, l'expert, tu montes. Ah, puis vous me faites chier. Merde, aïe. Merde. Putain, je me suis pris dans la tête, je suis mort aussi. Bon, on va tester autre chose. On va tester ceci. Oh. Ok, je me porte volontaire, ok? Attention, 3, 2, 1, Tango Charlie. Oh ouais. Pourri. Okay. C'était nul. On va tenter le coup du trampoline ce coup-là. Oh, oh. Je teste. C'est un des meilleurs modèles de trampoline. Vas-y, attends. Et du coup, ça marche comment? Il a l'air vachement en bois ton trampoline. Oui, c'est vrai, oui. Même il fait pas un bruit de trampoline de toute façon. J'ai des trucs expérimentaux un peu aussi, donc je promets rien, mais je crois que c'est une crotte ou une cape. C'est une crotte avec un siège en haut. C'est une spatio-crotte, un nouveau modèle de déplacement spatial. Bon, au pire, si vous voulez, j'ai un drapeau de la République tchèque. Si ça intéresse quelqu'un. Ça peut servir. J'ai un drapeau nazi, si vous voulez. Ouais. What? Ah, qu'est-ce qui se passe? Aïna. À force d'échecs à répétition tous plus pitoyables les uns que les autres, nos 5 fidèles astronautes finirent par délaisser l'idée d'entreprendre un tel voyage.
jusqu'à ce qu'il crée le Phalux 4000, un vaisseau de 12,5 tonnes en acier trempé, avec double jonction hydraulique, intérieur cuir, réacteur à neutrons ioniques, octuple renforcement en carbone, et sans oublier le petit sapin pour les vilaines odeurs. C'est notre dernière tentative les gars, c'est notre dernière chance, c'est le seul vaisseau qu'on a pour aller sur les autres planètes. Ouvrez la porte ou quoi? Ouais, allez. Wow. C'est moi qui prends le siège à l'avant. Ok. Salut Ganguinou. Bienvenue à bord les amis, bienvenue à bord du Ganguinou, je ne sais... Nightclub. Pourquoi? On a emmené la croix gammée avec nous, merde. Et la croix gammée elle a carrément un siège. Grave. Très marrant ça. Elle est indestructible quoi, genre elle a sa place et elle s'en bat les couilles. Elle nous a suivi. Ok, capitaine de vol, Boosty, êtes-vous prêt? Oui. J'ai vraiment l'impression que c'est pas son métier. Ouais, il est serrurier je crois de base donc. Oui bah je... Okay. Durant ma formation de serrurier, on m'a appris à piloter les vaisseaux spatiaux. J'espère que le vol va bien se passer et que nous arriverons dans l'espace en un seul morceau. C'est parti! Moi j'espère que le vol va bien spatial. Lol. Allez! C'est un peu drôle le conducteur. Tu fais des blagues des fois genre. Monsieur Wassim, allumez le courant! Ok. Genre c'est que ça son boulot à lui, c'est que ça. Oui, on décolle! On décolle, regardez ça! On décolle! Je vous fais décoller! Oh, ça tremble! C'est ça parti tremble. Les amis! Direction l'espace! C'est quoi ça? Oh oui, ça active les réacteurs. Appuie sur Fire encore. On décolle, ouais, on décolle beaucoup plus vite. Wow. On prend de l'altitude là. On est bon. Ok les gars, je vois sur les écrans que dans exactement 10 secondes, il faut activer les méga gros réacteurs qui vont nous téléporter. Absolument. Ganguinou, fais-moi le décompte. 3, 2, 1... C'est parti. Oh là là. Bon, les amis, après ce long voyage, nous sommes enfin arrivés à la station spatiale numéro 23. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Ganguinou, ça te dit de nous faire une petite visite, là? Parce que je vous rappelle, les amis, quand même, qu'on a un très 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 long voyage à faire. Ouais, absolument, ouais. Le trajet va être long, mais vous inquiétez pas, il y aura de quoi s'amuser pendant le voyage. Donc ici, vous pouvez voir de magnifiques PC portables de la marque... Non, je rigole, je ne fais pas de placement de produit. Sur votre droite, vous pouvez admirer l'espace, voilà, la galaxie, avec notre belle planète Terre. C'est quoi ce bruit que j'entends à chaque fois, là? Nico, oui. Tu vois le trou? Là, fonce dedans. Allez. Voilà, on est débarrassé de lui, c'est cool. Allez, on continue la visite, mesdames et messieurs. Ah, les gars, le voyage spatial. On se fait chier. Ah, oui, on se fait chier. Et on est là encore pour 3 mois. Bernard, on en a pour combien de temps, là? Le double de votre durée initiale, c'est-à-dire donc 6 mois, étant donné qu'il y a un manque de puissance dans les réacteurs terminés. Merci pour ce renseignement, Bernard. Ok, est-ce que tu pourras m'envoyer une photo de ta mère? Bernard, confirmation. Est-ce qu'il y aurait des meufs à bord éventuellement? Alors, il y a une poupée Chucky et... Oh, et puis merde, dégage, j'en peux plus, ça me casse les couilles, je suis claustro ici, il faut que je sorte. J'ai besoin d'air pur. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Je m'en fous, je me tire. Laissez-moi passer, je me tire. J'ouvre le sas. Ah, oh, je tombe. Les gars. Ah, bordel. C'est... Oh, je respawn dedans. Salut. C'était un bon bug buster, j'adore. Et j'ai customisé le vaisseau. Ouais, il a des talents cachés, Nico, il vous l'a pas dit, mais... Venez, je vais vous distribuer des pilules que vous allez prendre qui vont vous permettre de respirer à l'extérieur pour qu'on puisse faire un petit tour dehors, histoire de se balader et de se dégourdir les jambes. Passe-moi une. Ok, et une PCP pour Fredo, une PCP pour Boosty. Ah, moi, j'en ai pas pris, tu m'en as pas donné. Mais non, mais c'est des conneries, putain, de merde. Oui. Oh là là, mais putain, c'est vraiment un chier humain, quoi. Ok, bon, on a pris les pilules. Clin d'œil. Et on ouvre ça, c'est on sort de là, dans l'espace, mesdames et messieurs. Let's go, wow. Yeah, c'est magnifique. Regardez-moi, notre belle Terre qui est en dessous. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Pourquoi tu pleures? La Terre me manque, j'ai envie de sauter. Elle te manque déjà? Non, attends, gros, on fait juste un petit voyage, on reviendra, t'inquiète pas, ça, rien de pleurer, Fred. Non, je pense qu'il faut le laisser pleurer un bon coup, parce que voilà, quoi. Je vais sauter. Bon, ok, vas-y, Fred. Eh, mais... hey, au bout d'un moment, tu commences à être un peu relou avec tes états d'âme. Oh, mais putain. Mais comment on va le récupérer? Mais non, mais Fred. Attends, j'arrive. Mais sur le sauvetage. J'arrive. Vite.
Merde, je t'ai perdu. Attends, je tombe. T'inquiète, mission de récupération, j'arrive. Ok, on récupère. Il est où? Je suis là. C'est quoi ça? C'est un astéroïde Kerbal. Booster, t'es moi? Ouais. C'est ma planète, je l'ai conquis. Quel magnifique ciel étoilé, hein, par contre, hein. Ouais. Enfin, ciel, quel magnifique voilà, espace étoilé. C'est vrai que, ouais, les... Il y a eu un énorme travail sur les étoiles sur cette map. Il y a aucune étoile, putain. Grave, c'est tout noir. Ici Bernard, du contrôle est de la station spatiale numéro 23. Veuillez re-rentrer dans le vaisseau, s'il vous plaît. Nous allons activer les turbos qui va nous permettre d'arriver dans la station Uranus 2259. Ok, Bernard, bien reçu. On rentre à l'intérieur et on y va. Ici encore Bernard, si vous avez le temps sur le chemin, prenez-moi des croissants. Ça roule Bernard, des bien cuits ou des pas trop cuits? Un peu cramé sur les côtés s'il te plaît. Ça marche, vous êtes très bizarre Bernard. Il veut des croissants cramés. Vous êtes très bizarre Bernard. Ok, bon bah écoute, ça nous fait plaisir de te voir depuis le temps qu'on t'entend, on t'avait pas encore vu. J'ai pas envie de casser l'ambiance mais t'as ramené mes croissants. Non, mais par contre, j'ai ramené un max de drogue dure. Wouhou. Et ce soir, nous avons le DJ Glangju Fro qui est avec nous. Salut à toi. Ah, attends, j'ai Glangju Fro. Je vais faire une crise d'épilepsie, putain. C'est Glangju Fro on the beat, yo. Ok, les amis, nous voilà maintenant dans l'espace, dans cette flopée de nombreuses planètes qui n'attendent plus qu'on les visite et... T'en as pris une dans l'œil. Il en a pris une dans l'œil. Ganguinou. Bienvenue à toi dans notre beau système solaire. Système scolaire? Oh non, arrête, putain. Oh, ta gueule, putain. Alors pour commencer, je vais te présenter les planètes. Ok, dis-moi tout. Donc tout à ta gauche, il y a la Lune, éditée et développée par l'univers. Et là-bas, c'est la planète Blobs. Ok. Tu vois ça? C'est la nébuleuse de... Regardez, tu vois ça Timmy, c'est la nébuleuse de Cordillon, elle est superbe. Ça fait 20 ans que je bosse ici et j'ai jamais vu un groupe aussi perturbateur. Ouais, des belles pourritures, je confirme. Ouais. Grave, des vrais bâtards. Moi je pense à la propreté de cette planète. Il a mis une poubelle, Il est loin avec sa poubelle. Anti-poubelle. Ok, et les gars, le clou du spectacle bien sûr, pour qu'on puisse aller visiter toutes ces belles planètes, nous allons utiliser... des Zblorgs. Oh. Oh, stylé. Un par personne, bien évidemment. Chacun son Zblorgs. Putain, mais Ganguinou, comment t'as fait pour les avoir? Ah, écoute, j'ai des relations, je connais un gars qui connaît un gars. Ah d'accord, mais par contre, je n'ai pas mon permis. Ok, bah monte sur mon aile au pire. Tu peux aller sur le siège. Je suis dedans. Oh putain. Ok. Les gars, première destination, la Lune. Juste à... Oh bah excuse-moi, avec mon Zorblox j'ai un peu de mal. Oh putain. Allez, décollage. C'est magnifique. Oh putain. C'est magnifique. Tu prends ton pied Fred ou pas? Mais grave, ça déchire. Putain, on fait des vrais arcs-en-ciel. Ouais. Les gars, on commence par la lune, vas-y. On fait des jolis arcs-en-ciel dans le ciel. Techniquement, c'est impossible de faire ça en vrai. Voici mes cris, nique ta mère en arc-en-ciel. Ok, on pique tout droit vers la lune, Fred, t'es prêt? Attention. L'atterrissage va être un peu chaud. Ouais, comment je l'ai trop géré mon Zblox. Ouais, moi aussi, grave. Excusez-moi, mes chers monsieur, mais techniquement, la lune n'est pas une planète, mais un satellite naturel. Au revoir. Ta gueule, je te désintègre. Oh, ça a pas marché, merde. Ta mère. Ok, attention, on y va. Let's go. Fred, il lève les mains, genre c'est une attraction. Il tombe. Oh, on tombe à pic, merde. Attends, j'ai mal géré le décollage. Mais redresse. J'arrive pas à le redresser. Tire le levier, Ganguinou. Attends, j'arrive pas. Je ne contrôle plus rien. Merde. Putain, on va se cracher sur une planète inconnue. Waouh. Attends. Je ne contrôle pas mes mouvements. Je vais essayer d'en faire autant, mais ça a l'air un peu compliqué. ok, direction la planète marron ici. Ça a l'air d'être... C'est la planète caca. Et moi aussi, mais il passe normal. Attention, on va se cracher. Oh, attention l'atterrissage, attention. Whoa. Lâchez tout. Whoa. Ok. Bon, je crois bien qu'on a atterri sur la planète Chiton. Non, en fait, c'est la planète Shit, elle est en boulette de shit. Voilà, regarde, on peut en récolter sur le sol. Bon, je vais me crafter une maison en shit, les mecs. Ok. Eh les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Oh non, qu'est-ce que c'est? C'était sûrement un précurseur ancestral. Ouais. On dirait un... Bah les couilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette planète? Oui. Où est-il?
Derrière les deux rochers. Derrière les deux rochers, comment ça? Approche, humain. Oh, bonjour, enchanté. Blop à toi. Blop à toi aussi. Ouais, et sinon, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a environ 300 000 ans, cette planète a été décimée par un énorme hémorroïde. Oh merde. Dont je suis le seul et unique survivant. Je dois donc te mettre en garde, étranger, car le cycle est sur le point de se répéter. Oh non, ça c'est pas cool. Tu voudrais donc dire que... Ouais, non, en fait, je m'en bats les couilles. Salut. Va te faire blopuler. Non, je rigole, je... Attends. Regarde, j'y touche le zizi. Oh putain, non, arrête, arrête. Il doit sûrement détester ça. Regarde, il remue la patte. Il est content. Oui. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content de vous voir aujourd'hui. Car le livre précurseur sacré de ma planète avait annoncé dans sa prophétie qu'un beau jour, quatre cosmonautes allaient venir pour sauver cet endroit. Sérieux? Sauf que on est cinq. Ah. Merde. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de nos bons vieux astronautes. Si vous voulez financer leur retour sur Terre, eh bien n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Eh ouais, parce que le carburant de Phalux 4000, c'est pas donné, hein. Bref, sur ce, prenez soin de vous et de votre planète, quelle qu'elle soit, et à la prochaine. Gros poutou.